Voilà. C'est un pot hydraulique. Hein? Et l'hydraulique, quand tu comprimes soit de l'air ou de l'eau, eh bien, ça, avec la force, il se soulève, tu vois. Tu peux pousser à fond, et quand tu le retires, il s'abaisse tout doucement, tu vois. Et ici, c'est de l'air comprimé. Tire encore un peu plus fort, là. Encore un peu, voilà. Et comme ça, il va descendre. Et si tu recomprimes l'air là-bas, vas-y, recomprime, et ben voilà, il se soulève. C'est ce qu'on appelle un système hydraulique, mais dans ce cas-ci, c'est de l'air comprimé. Mais si tu mets de l'eau ou de l'huile, eh bien, tu as le même résultat. Et il faut retirer complètement la serecle. Là, voilà, tu vois, il est redescendu complètement. Et maintenant, si tu le repousses, voilà, eh bien, il se lève. Tu vois? Voilà. Ça marche bien, hein? Vas-y, refais un peu un essai. Pourquoi tu ne mets pas de l'eau dedans? Ben, on pourrait mettre de l'eau, mais ici, je n'ai pas mis de l'eau parce que, comme ça, il n'y a pas... On est sûr de ne rien éclabousser, quoi. Vas-y, mets un petit peu... Voilà, maintenant, tu peux y aller. Tu vas injecter l'eau dedans. Donc, le système hydraulique va lever le pont. Voilà. Super. Continue à éjecter, voilà, et le pont s'est levé grâce à la force hydraulique. Maintenant, retire-le, comme ça on va voir le pont qui redescend. Voilà, super, super mon grand, mais il faudra améliorer le système parce qu'il y a des petites bulles d'air, tu vois, il y a des bulles d'air dedans. C'est pour ça qu'il ne se referme pas bien. Je vais le vider. Et alors, à ce moment-là, il se fermera comme il faut. Réessaye un peu pour voir si... Ah oui, les petites bulles s'en vont quand tu fais ça, oui, oui. Vas-y, voilà, ça repart. Parfait. Et là, il est vraiment soulevé à fond, voilà. Super, mon grand. C'est vraiment un bel exemple de la force hydraulique.